gasoil. C'est en émotion, Nicolas Bulot. Beau départ. Beau départ. En route pour de nouvelles aventures. Ça va, c'est l'enfer. L'hôtel où il y a un tout petit peu de blatt que c'est défoulé. L'entraille a vaguement chauffé la tourista, on va dire. Je le vends pété en 19. Heureusement, Martine avait des médocs. Le rhum arrangé qui m'a fait mal. Regardez le rhum coca. Et j'ai même pas vu Travolta. On arrive là. Là, on a pris le bateau de nuit quand on a failli se tanker avec un autre. Ils n'ont pas de lumière la nuit. Et hombre. Donc là, ça va être parti pour 100 bornes de piste. Revenu sec et demain départ en pirogue en boucle, petit voilier, le petit parc voilier, 3 jours jusqu'à Tuléa et on va pêcher au poisson et le soir on mangera au poisson un pistole. Les nouvelles aventures de l'Antoy. Et une autre qu'on a dit. Mettre du ralenti. Arrive en ville. Oui.
oui, là. Voici Joe le retraité, il a un catamaran. Eh bien oui Annie, un petit coucou à Diego. Un coucou à Diego et Alexandra, si un jour elle voit le film, on sait jamais. Allez. En route pour de nouvelles aventures. Et voici la vie. Bon, il a pas coulé, ça va, bien sorti. On dirait Jean-Pierre Germain, ouais, parti, mec. Ah oui, alors tout à fait, ouais. T'as pris ? Voilà, prévoir de l'eau. Donc nous voici dans le petit village où l'hôtel était accueillant. On pouvait se faire des poêlés de blattas. Tu filmes ? Filme l'hôtel. Attends, on va passer devant. Hein. Ce village, il s'appelle comment ? Dis-le sur mer. C'est Marie. C'est Marie ? C'est Marie. Le village, c'est Marie. C'était l'hôtel Blatso Mambo. Non, c'était... Blat Corruption. Non, non, il fait... Et oui, c'est la douane. C'est la barrière économique. Demande-lui 1000 sans facture. Ouais. C'est le réseau Escota du pays. C'est pour payer la route. Ouais. Ah oui, 2000. Et voici le péage. Est-ce que c'est bien ça, soit un camion de l'époque des Russes. Les socialistes, parce que c'était un régime socialiste avec Ratsirat à une époque. Hein, il faut envoyer les socialistes français ici pour casser les couilles. Vous voyez la CFDT. La CFDT. Alors voici donc l'hôtel magnifique. Voilà. Ah, c'est là. Rapaz. Rapaz. Truc de fou. Heureusement qu'on n'y est pas allé. Hein. Il y a que du mal au bide, alors là-bas je crois que je serai mort. Ouais, sauver un lémurien volant. En fait, il y en a 3 ou 4, mais là c'est dur de les voir. Bah c'est dur à le voir bien. Parce qu'on le branche. On va aller donner la banane aux lémuriens, si je n'ai pas trop con. Ah, je crois que j'arrive. Viens. Viens. D'un coup, un peu droit, et je me en gros. Alors, on ne sait pas ce que c'est, ça c'est des... Tiens Martine, tu me le zoomes ? C'est ceux qui non, courent sur le côté. Où est l'autre ? J'en vois un. Où il est ? Au-dessus ? Ouais, bouge pas. Retire ton bras, s'il te plaît. Merde, mais j'arrive pas à le voir. Ils sont gros, ceux-là. J'en vois qu'un. Ils sont gros, hein. T'arrives ? Avance. Attends, je vais essayer de zoomer sur le visage. Et surtout la gueule, parce qu'en fait, t'arrives à zoomer super gros. Oh oh ! Maki, mais en fait c'est pas ça, mais on va l'appeler Maki. Vaza. Ça on le voit bien là, en plus il est cool, il bouge pas. Ouais, s'il faut, parce qu'on descend pas. En lui lançant dans l'arbre ou quoi. Ouais, il descend. Ah bah non, il est toujours là. Ah oui, mais là je le vois pas. Super. Bon, on va lui donner de la banane, on va voir. Oui, les copains.
Bien oui, de retour d'anciennes aventures, en route pour de nouvelles. 4x4 à l'agonie. Il n'y a plus de frein, il n'y a plus rien. Et les petits quoi, on va chercher de l'eau. Alors donc, demain, départ en Boutre. On va aller se baquer. Ça doit être des genres de trucs comme ça, là, qu'on va prendre. On verra demain. Et oui, là. Bien oui, un coin de paradis. Nous sommes arrivés. Par la voile. Maman, tu vois ça, tu meurs, c'est magnifique. T'en as toujours rêvé, ben j'y suis allé pour toi. Le top. Le top. Je rêve, comment c'est trop beau. J'hallucine. C'est un rêve. Hein. Petit Fred, au boss. Au puce. Au moment. Je rêve. L'aventure continue et vraiment la vie est trop dure ici à Bello. Trop dur. Profonde dépression, arrêt de travail. Ici les crevettes, c'est des poulets. Voici un magnifique coucher de soleil. Nous sommes donc à Bello-sur-Mer. C'est super. Canadien. Content l'employ. Et oui, là. Et bien, oui, nous essayons d'être en route pour de nouvelles aventures. Ouais. C'est un incident technique avec les marins. On s'est levé à 4h, on devait partir pour 4h30. Puis... En route pour les pirogues amovibles. Allez, l'équipage là, Nicolas Bulot vous parle. Et bien oui, en direct de la croisière s'amuse. Léger incident technique. Docteur. Et bien oui, le jour s'est levé. Tout doux 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 doux. Mon chère, elle souffle dans le bon sens là. Nous décollons dans 20 minutes. On a le vent dans le cul, ça devrait être cool. Nanani nanan, tout doudoudoudou. Et oui, c'est une pirogation qui s'effectue. Il nous manque un bonhomme. Bientôt en route pour de nouvelles aventures. Oh là là, la guitare chérie. Ça c'est du système. Porte quoi? La 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 la. La la la.
Eh bien oui, nous voici à bord du Pacific Princess. Princess 1 et Princess 2. Comment il s'appelle, commandant? Je m'en rappelle plus. Comment il s'appelle, le commandant? Commandant Babine. Le Fork. C'est qui, pourquoi? Il c'est la grand voile. Bon, on a un bonhomme en moins, ça va? Ça va. Décollage, la température extérieure est de 12 degrés. Commandant, commandant. Cap à tribord. Ah là, il y a du matériel. Hein. Non, 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 non. Cap sûr, on va se rendre belle, quoi. Où est-ce qu'on va? Alors, on a eu la poussière dans le caméscope. Le sable. Et aujourd'hui, on a le sable. Il manque plus que la tempête, comme ça sera parfait. Et oui, là, toujours en direct de nouvelles aventures. Du coup, on a laissé un bonhomme. On n'a plus de capitaine. Capitaine, capitaine, nous coulons. Je sais, ce n'est rien. C'est bon. Eh bien oui, en direct de Cousteau Bulot, opération, opération pirogue et chauffage. Après un putain de coup de tempête et là, je chasse le monstre là. Au pistole, tu vas voir. Un espadon là. Bon, toujours en route pour de nouvelles aventures, sinon. On va déchirer la voile, tu vois le trou. On va crever un peu. Il nous arrive que des galères, mais ça va. Je suis sorti de houle ce matin. Bon orage aussi. Et l'aventure continue. Non. Oui, Barracuda. Amour du risque. Et oui, les nouvelles aventures, de nouvelles aventures. Toujours, toujours. C'est parti. Eh bien oui. L'aventure continue. Un petit vent là. Ah, faut régler les voiles. On a perdu un cylindre. Crever le piston. Là. Diego, si on se noie, je te laisse toutes mes mobilettes. Je te donne tout ce qu'il y a dans le garage. En direct, on croise une île habitée par des pêcheurs. On ne voit pas trop. Ah non, mais ils veulent qu'on s'arrête. Je vais pas s'arrêter. Et oui, là. Là-bas, là-bas c'est mon bazar. Il y a un peu de mer, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit, capitaine? On s'arrête parce qu'on dirait qu'il va y avoir un putain d'orage et il y a vraiment du vent et de la mer. Et en pirogue à deux balles, ça a l'air dur. Trop de vent, pas assez beau. De baigner une tomate. Il y a le ciel, pourquoi pas? Ah, j'ai filmé. C'est vrai qu'il y a un peu de vagues là-bas. Oui, c'est génial, mais il faut pas faire les cons quand même. Non. Là, ça serait ridicule de traverser. Dans quel trou du cul du monde a-t-on atterri? Voilà, on est ici. Là. Mais tu vois, on est à la moitié. Il faut qu'on fasse tout ça là, en pleine mer. Donc on a fait ça, ça fait, on a mis 5 heures, c'est ça, on a mis 5 heures pour faire de là à là. Donc là, il y a bien 2 heures de traversée. Avec ce temps, moi... Ouais, t'as raison. La voie de la sagesse. On a fait la moitié, là. Ouais, là, on a la moitié. Là, on est à la moitié, à peu près. Putain, on a gassé, alors, parce que... Ah ouais, ça marchait à bloc, là. Et là, il y a tant de... Ouf, à vue de tempête, là. Force 18. Je fais sécher mon linge. J'ai le cul mouillé. Et dire que j'avais pris un gros poisson, il a tout bouffé. Qu'est-ce qu'il y a comme poisson sur l'île, vu qu'on n'a rien à bouffer? Bon, on va rester un jour de plus.
Là, le contact radio est portable, je crois bon, pas qu'il est là. Le programme, demain matin, il faut que vite qu'on parte. On va partir tôt, de toute façon, j'espère que le temps sera calmé. Et à ce moment-là, on arrivera tôt à Morombé, et on se confie, on pourra prendre passer à la banque, téléphoner. Pirogue à la mer! Il y a la marée qui va monter. Bah, je serais bien allé ouvrir des huîtres ce soir, mais je crois que je vais être en retard. C'était hein. Des Kleenex. Magnifique. Bah, j'ai mes règles, mes tampax, tout est mouillé. Je n'avais pas oublié de raconter tes trucs là. Magnifique. D'où l'avantage d'être ménopausé. Il n'y aura pas d'hôtel ici. Il n'y aura rien à bouffer. Enfin, on a encore deux beignets. On va se dégager. Allez, dans une heure, on est reparti. Le labo, il y a... Le temps de faire le tour du propriétaire. Allez, les amis, enfin ! Allez, on se prend une saucée. Eh bien oui, prémolaire de requin à marteau. Pour planter des piquets. De quoi ? Prémolaire de requin à marteau, quoi. Qui n'a jamais rêvé de rester coincé sur une île déserte ? En direct du satellite Météo France, c'est la merde ! Le top ! Même pas noyé ! Eh oui là, voici notre équipage. Mérou à tribord. Tiens, mais putain, fantastique ! Ah non, c'est un Bernard Lhermitte. Oh là là ! Oh putain, comme il court celui-là ! Incroyable! Prends ça en photo alors là. Putain, alors, si regarde la photo. Et lui, le gros, qu'il est gros là, lui. On peut pas les bouffer ça? Attends, mais. On a rien à manger ce soir si on les met dans la soupe, juste avec de l'eau de mer. Dès que le vent soufflera, nous repartira pas. Il y en a un énorme là-bas. Je vais pas me faire bouffer la main, Winnie. Oh, un rastaquer mal à crête mordorée des baobabs. Non, mais sans blague. Putain, mais ça grouille, ça grouille, ça grouille. Trop bon. Alors j'ai jamais vu ça. Je vais être en retard pour ouvrir les huîtres ce soir. Oui, il y en a des énormes là-bas. Il y en a, c'est des poulets. Oh, ça. Ah, le con de sa mère, il me fait mal. On peut le bouffer. Enfin, je vais agrandir les sourcils pour voir. Il essaie de m'attraper, ce con. Regarde-le, regarde-le, il essaie de m'attraper. Trop bon. Tiens bon la voile et tiens bon voilà. Le vent. Là, je le baise. J'ai dû les cahiers. Alors, il y a des bêtes chromées. Ah ouais, il y en a qui sont magnifiques. Et voici la vie. Où ? Là. Oui, oh, il est gros comme là. Tiens. Et celui-là. Regarde celui-là, le gros blanc là. Parce qu'après, quand il est trop gros, il ne peut plus rentrer dans la coquille. Et oui là. Et oui là. En direct du stand Koh-Lanta, papa. Oh, un méga bulot. Faut que je l'emmène. Je vais le vendre 900 euros, ça va me rembourser mon billet d'avion. Installation du campement. Je sais pas quand, jusqu'à quand on va rester. Corail qui fait cric. Le pirogue. C'est quoi, c'est quoi? Un jamta. Ça. Mince, c'est des tailleurs de flotteurs. Tailleurs de flotteurs de pirogue. Ça, c'est trop bon. Je suis super content. Vraiment archi content. Je vais rester là, je vais jamais revenir. Et dire que moi qui croyais qu'il y avait des tourteaux d'arbres, eh ben ça existe. Des crabes, des cocotiers qui sont tout bleus et tout, il paraît. Truc de fou, hein. Et voici la vie. Là, on va aller voir les pêcheurs qui remontent les filets. On est coincé. Je serai pas à l'heure ce soir, Benoît. Allô, pistole, ça remonte les filets dans une île du Mozambique, là.
Voici la vie. En fait, ils vivent tous sur une putain d'île déserte où il n'y a rien. Bon, ils sont pas mal quand même. Ils peuvent chier dans les galets. Je ne sais pas qui a remonté. On voit la côte au loin. On a le vent. En plein de face. On va attendre demain matin. Et oui, là. En direct de Fort Boyard. Voici venir le plat du jour. Marcel, un haché crème, s'il te plaît. Poivre vert. Non, c'est un... un congre à nez pointu. Mais non, mais non, c'est un... pas un couteau. Tu l'appelles ? Non ? Il y avait du sol, le petit... Non. Avec le... En fait, c'est un genre de vivre ou un truc, je suis pas content. Quoi. Et oui, là. Merde, j'aurais dû avoir un monstre, moi. Ça a cassé la ligne. Toujours en direct de nouvelles aventures. Ce matin, quand on a garé le bateau, il était entraîné vers là-bas. Elle est comme l'eau vive. Non, non, non. L'eau vive à Vaza. Et Sianic s'est adapté à la situation. Ah ouais, moi, c'est super. Expérience unique au monde extraordinaire. Ben, moi, pareil. Une fois dans sa vie, et on ne recommence pas, bien sûr, c'est mais clair. Faut vivre une fois. Bon, Martine fait un peu la gueule, mais bon, c'est rien, ça peut arriver, hein. Elle est déçue de ne pas être à l'hôtel ce soir, je crois bien. Dac, il nous coupe le bois, en forme, toujours content, l'homme volant du bateau. Et après, il lui fait la tambouille, c'est le cuisinier du Mupecho. Regardez, il est à midi, sur le... Elle se prend le poulet. À un drame tard. Allez. Ouais. Vas-y. Et voilà. Au moins, on a de quoi bouffer. C'est déjà ça. La marmite, ça cuit. C'est le lait ? Annie, choyer. Ouais, je filme. On lève pas. Nettoyer le poisson. Ouais. C'est poisson frais. C'est pas bon. Là, il va nous faire un petit concert, il meurt d'envie d'essayer la guitare. Attends, Philippe, pas gaou. Eh bien oui, en direct de Tambouille typique. De quoi ? Tambouille typique. On fait du riz, du poisson. Chef cuisinier là-bas. Impeccable. T'as vu ça, pistole ? Regarde les poissons du coin. Oh. Ça, c'est des petits. Ça, c'est des petits. C'est pour poissonner les darks. Allez hop, on se casse le ventre. En direct de nouvelles aventures. Avec Nicolas Bulot. Avec Nicolas Cousteau-Bulot. Martine super contente, ravie, à souhait, main souhait l'hôtel. Annie, pas de problème. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Et voilà les moyens du bord. On va goûter la locale de Lille avec une feuille du carnet. Tu vas pas fumer ça. Mais si, tiens, je vais me gêner. Mais
Louis en direct de Ils font la maison. La voile. Avec les rames. Tarmos atmosphérique, tu bled. Seul dans le sable, je fais du ciao. On est coincé ici. Mais c'est tellement bien. Pour la maison. Vas-y, 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 vas-y. Pour la maison. La maison. Tu filmes, ça filme. Pour la maison. On attend le soir. Ah, je suis grossir. Regarde dans l'air. Là, c'est le bouton pour. Je sais pas si ça tourne là. Ouais, ça tourne. Et voilà la maison, presque finie. Tu vas nous faire une démonstration du harpon tropical. Faut faire attention parce que le fond de la gueule. Comment elle marche la gâchette? Ah, c'est là le cran. Ouais. En fait, il tire ce qu'il veut à 5 mètres, surtout les poulpes. Même les langoustes. Tire avec. Ouais, là, je suis impressionné. Tout le système de sécurité. Ah, ça m'épate. C'est dur, hein. Ça y est, t'as pris. C'est vraiment du sport de le temps. J'irai pas.
bien oui, voici l'intérieur du tipi. C'est une voile avec deux rames, pas de masse centrale. C'est magnifique. Alors les culs blancs ils dorment là. Ils vont dormir dans l'autre. Et alors, tu es en night shot? Non, pas encore. Toujours dans les nouvelles aventures. On est un peu coincé par là, là. C'est la croisière s'amuse. Comme on peut voir. C'est ouais. Moi qui ai ouvert les... Ah oui, mais je me remets ça. Bienvenue dans les aventures de Martine joue aux cartes. Terrible. Mal au ventre. Terrible aventure. Terrible. Eve, je crois que maman elle est pas contente. Il y a pas une... Le jour s'est levé. Eh bien oui, l'aventure continue. Seul sur le sable, on se fait chier. Heureusement que ça a bouffé. Alors, il y a beaucoup trop de mer. Il y a beaucoup trop de vent. Les pirogues sont à la go. Toute la petite tribu de cul blanc est dans la tente. On a même eu des visiteurs. Et oui, en ces temps durs, un seul vestige de l'humanité. Je l'ai caillé. Ça va, Jeff? Et oui, là. Artistique. Capitaine, capitaine, le pont arrière est cassé. Donc nous voilà au moment stratégique de savoir où on avance, où on se casse. Le vent est toujours pourri. Le problème, c'est que ça change tout l'itinéraire. Le vent va par là. Alors là, on retourne à vélo sur mer. Voici reparti à l'aventure. Bon, finalement, il a dit deux jours. Le vent n'est pas propice. Ben, faut prendre son mal en patience. On est qu'à 150 bornes d'où on doit aller, après tout. Bon. En tout cas, on prend pas l'eau aujourd'hui. Pas encore, on va dire. Donc on a quitté l'île Aura pour se diriger vers je ne sais pas où. On a quitté les aventures de Martine à seul contre les rats pour reprendre les aventures de Martine en pirogue. Super. Bon ben voilà, il n'y a plus du tout de vent. Ça fait au moins 2 heures qu'on est parti. On était parti par là-bas. Et puis on a fait marche arrière. Maintenant on retourne sur vélo. Mais on n'avance pas. Elle était bien l'île Aura. Hein. Qu'est-ce que tu disais, quitte à se noyer? Pour continuer les aventures de Martine sur une pirogue sans vent. Bon ben Benoît, je vais pas retard. Hein. C'est pas ce soir que je vais ouvrir des huîtres. Hein. C'est un vol en pirogue qui s'effectue. La température extérieure est de 40 000 degrés. Les pieds du Vasa sont cramés. Et puis voilà, en route pour de nouvelles aventures. Alors on va faire taxi mer, après taxi brousse, après taxi vol. Ça perturbe. Qu'on avait prévu, ça, le programme. Si encore envoyer une baleine, ce sera bien. C'est une changation de voile qui s'effectue. Voilà. Tiens, l'autre île est là. Ah non, c'est pas l'île, c'est la côte. Et voilà,
juste on allait doubler Luc et Martine et du coup ils nous mettent un vent mais magistral. On avait la voile trop bastos en fait, pour une fois qu'il y a du vent. Équipage Bassibé en pleine mer, putain comme on a galéré, je suis le roi des écopeurs. Un truc de fou. En direct des nouvelles aventures de Martine Fulera. Épais, ça est sauf. Nickel. Ça va, on est sauvé. Et oui, en direct de Martine de retour de pirogue. Ah non. De retour de nouvelles, anciennes, nouvelles aventures. En changement de programme. Le 4x4 à Ludo, il y en a marre, la pirogue, il y en a marre. Les rats pourris, ça fait chier. Les rats, les cafards aussi, il y en a marre. Mais, je veux ma maison. Mais sinon, ça va. Hein. On a fait bonne route, nous on a rigolé toute la journée. Et puis, changement de programme pour j'ai demain. J'ai failli avoir ma dernière aventure. Sexuelle. Ouais. Sexuelle, ouais. On a bien cru qu'on allait se noyer. Et donc, demain, on prend un vrai bateau avec deux vrais moteurs, avec de la vraie essence qui démarre, qui flotte et qui marche bien. Un bateau Vasa. Pour Vasa. Nickel.